Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cannabis Review. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que c'est l'un d'entre vous qui m'a donné l'idée de faire en plus. Parce que vous avez peut-être vu, j'ai sorti une vidéo hier, je pense que vous aussi ça va être hier. Mais j'ai sorti une vidéo où j'explique en gros pendant 12 minutes que j'ai très hâte de revenir sur YouTube et puis tout ça. Et puis aujourd'hui, ben, j'avais envie de. C'est ça. J'ai sorti cette vidéo-là où c'est que je disais que j'avais envie de vous de revenir sur YouTube, tout ça, que je pouvais pas, puis blablabla. On a discuté un petit peu. Puis, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, commentaire qui m'a fait rire, qui a dit: tu devrais pas fumer dans ton auto, un truc comme ça, là, un truc genre tu devrais pas fumer dans ton auto. Ça m'a fait rire parce que ça fait 6 ans que je fume dans mon auto à tous les jours. Et puis, j'ai jamais eu de problème. Mais aujourd'hui, l'avez-vous au titre? Je vais vous raconter deux anecdotes en lien justement avec la police et l'auto, on va dire. Parce que c'est quand même déjà arrivé 2 fois qu'il est arrivé des choses avec la police. Mais à part de ça, c'est pratiquement jamais arrivé. En fait, c'est jamais arrivé à part ces 2 fois-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Puis vous allez voir que. Quand on n'est pas crosseur, quand on n'est pas méchant avec eux, quand on dit juste la vérité, souvent on peut s'en sortir. On va allumer mon joint puis je vais vous parler de ça. Petit joint de Jedi Kush mélangé avec du Purple Berry. Descendre mes vite. Donc, les 2 fois où il y a eu un problème, la première fois, un problème, qu'il y a eu une anecdote, on va dire. La première fois, je me suis fait arrêter, c'était même pas pour le cannabis, c'était. Bon, en fait, il n'y a aucune des 2 fois que c'était pour le cannabis. La première fois, quand je me suis fait arrêter, c'est tout simplement parce que je venais juste de finir de travailler. Je venais juste de m'allumer un joint, pas du tout la job, grosse journée, j'étais fatigué, peu importe. J'avais oublié d'allumer mes lumières parce que dans ce temps-là, j'avais pas le véhicule que j'ai en ce moment. Aujourd'hui, vu mon véhicule, les lumières sont automatiques, je peux pas rouler les lumières éteintes. Mais mon ancien véhicule, qui est un petit peu moins récent, c'était encore, fallait que je les allume manuellement, que je les éteigne manuellement. Et puis, cette journée-là, en finissant de travailler, ben, j'ai oublié d'allumer mes lumières. Donc, la police m'a arrêté parce que je voulais les lumières fermées. C'était ça la première raison de pourquoi ils m'arrêtaient. Mais très vite, quand il est arrivé à ma fenêtre, ben, il a bien senti que ça sentait le weed parce que je venais juste d'en allumer un. T'sais. Je venais juste de l'allumer. J'avais pris 4 puffs, il m'a collé. J'ai botché. Puis, il me l'a dit. T'sais. Il m'a dit. Je t'arrête parce que tu roules les lumières éteintes. Je fais, ah ben oui, tu sais, j'ai allumé mes lumières. J'étais comme, ah, désolé, tu sais. Puis là, ben il m'a dit, ah, ça sent le weed. Puis j'ai été honnête avec lui. Il dit, ben ça se peut, monsieur l'agent, que ça sente le weed. Je fume du weed, puis c'est ça, je viens de finir de travailler. Puis juste avant de partir, ben là, j'ai. Bon, on va pas. J'ai fait un petit mensonge dans le sens que j'ai un petit peu changé la version originale parce que la vraie version. C'est que quand j'ai fini de travailler, je me suis allumé un bat, puis je suis parti. Mais ce que j'y ai dit, c'est qu'après avoir fini de travailler, que j'avais fumé un joint, puis qu'après le joint, ben, on est décollé, puis que c'est ça, là, je rentrais chez nous après avoir fini de travailler, tout simplement. Puis le policier m'a laissé repartir. Le policier m'a dit, sois prudent, il m'a mis en garde, il m'a dit, c'est pas comme de l'alcool, ça se calcule pas en mode, ah, oh, j'ai juste fumé un joint, fait que c'est correct, tu peux pas conduire. Mais il m'a dit, ta conduite est bien, je veux dire, je t'arrête pas parce que tu conduis mal, je t'arrête parce que tes lumières sont fermées. Sois prudent, va-t'en chez vous. Puis c'est ça, il m'a laissé repartir parce que j'ai été honnête, parce que ma conduite était correcte. C'est pas parce que tu es gelé que tu conduis tout croche ou que tu sais plus, t'es plus capable de rester dans tes lignes. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas pour moi. Moi, ça fait 6 ans que je suis gelé à tous les jours, que je fume dans mon véhicule à tous les jours. Puis il n'y a pas une journée que mon véhicule roule pas. Puis, j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais, mais je pense que ça démontre bien que
le cannabis au volant, pour certains, c'est pas dangereux. Puis je pense qu'il y a des policiers qui le savent. Puis ce policier-là l'a su. Puis il m'a laissé repartir. Il m'a dit, sois prudent et vas-y. Ça, c'était la première anecdote que j'avais à raconter en lien avec la police. Deuxième anecdote, un petit peu plus corsée, celle-là, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu peur. Mais encore une fois, l'honnêteté, un petit peu d'honnêteté, un petit peu de violon, puis ça passe, tu sais, il faut juste montrer aux policiers qu'on n'est pas cave. La deuxième fois, ce qui s'est passé, en plus, on revenait du dealer, ma blonde, elle avait un once dans sa sacoche. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des bruits bizarres en arrière, je pense que c'est des oiseaux. Puis, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ça faisait deux battes qu'on fumait, on était trois dans le char, on venait juste d'en finir un, puis on venait juste d'en rallumer un autre, une histoire comme ça. Puis, on tombe avec une police, puis ils nous collent. À la base, ils nous collent seulement vraiment que pour faire une vérification, parce qu'on est trois dans le véhicule. C'est ça, vérification standard. Puis, ben évidemment, là, ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il se passe énormément beaucoup de choses, ce qui s'est passé, c'est que c'est la personne en arrière qui avait le joint à ce moment-là, elle a mis le joint dans ses bottes. Pourquoi? Demande-moi le pas. Puis, elle avait encore une puff dans la bouche quand la police est arrivée à côté. Ben, je veux dire, pendant qu'il botche le joint, tout ça, j'ai pas le choix de me parquer, tu sais, la police m'arrête. Fait que. Fait que c'est ça, le policier arrive sur le bord de nos fenêtres, puis celui en arrière crache sa puff subtilement par en bas en dessous des bancs. Mais tu sais, l'odeur, c'est pas parce que tu craches en dessous des bancs que l'odeur, ça est plus là, tu sais. Donc c'est ça, encore une fois, là, il était deux, puis un fait très drôle en plus. C'est que c'était le même policier, un des deux policiers, c'était le même policier qui m'avait arrêté la première fois pour mes lumières. J'ai trouvé ça très très drôle. Puis, c'est ça, les deux policiers sont venus, trouvaient que ça sentait le weed, mais encore une fois, on a été honnête, on a dit qu'on était en train de fumer un joint. Oui, c'est vrai, parce qu'il savait, il avait vu le joint, il nous l'a dit. C'est vrai, on était en train de fumer un joint, mais c'est ça, je veux dire, il n'y avait rien de dangereux. J'ai dit, moi, je pense que ma conduite était parfaite. Je pense que j'ai pas mis ma vie ou la vie des autres en danger parce que j'étais en train de fumer un joint. Surtout qu'on est trois en train de le fumer, le joint. Puis, il m'a laissé repartir. Il a vérifié mes papiers. Il m'a dit d'être prudent. Il m'a dit de pas fumer au volant. Puis, il m'a laissé repartir. Tout simplement parce que de l'honnêteté. Puis, c'est ça, il y a aussi la partie de je suis pas cave, puis que je roule pas comme ça, puis je fais pas des zigzags, puis tu sais, je reste dans mes lignes, puis je conduis bien, là, je veux dire, je veux pas commencer à me vanter de genre je conduis bien, mais je veux dire, je conduis bien, tu sais. Fait que c'est ça, moi je pense que. Je vous dis pas de le faire, attention, cette vidéo-là est vraiment pas là pour ça. Attention, gros disclaimer, ne fumez pas au volant. Ça fait vraiment pas à tout le monde. Ça reste quelque chose qui, oui, joue dans le cerveau, peut. Ça affaiblit tes facultés, c'est vrai. Je veux dire, c'est une conduite avec facultés affaiblies. C'est vrai, tu as les facultés affaiblies. Mais je pense que pour certaines personnes comme moi, qui fument à tous les jours, qui fument 15 joints par jour, on atteint un stade où on fume ça presque comme des cigarettes, des joints. Puis ça ne nous gèle plus autant qu'au début. Je dis pas que c'est pardonnable, mais je dis que je pense que clairement, quand je dis on, je vais parler au juge, je vais dire je pense pas que je cause des accidents comparativement à d'autres qui vont se saouler ou qui vont fumer, puis qui eux vont causer des accidents. Moi, ça fait 6 ans que je conduis, ça fait 6 ans que je fume dans mon auto. Puis, j'ai jamais eu de problème. Puis ça, ben, c'était les deux anecdotes en lien avec la police. J'ai jamais eu de problème. Jamais un ticket, jamais de perte de permis. On m'a toujours laissé repartir en me disant, sois prudent. Parce qu'ils voient bien que ma conduite est correcte. Pourquoi ils m'arrêteraient? La raison de pourquoi ils arrêtent quelqu'un qui est sous au volant, c'est parce que la personne fait des zigzags. Parce que la personne, elle penche sur un bord, doit se ramener, a de la misère à rester dans ses lignes. C'est pour ça qu'ils arrêtent les personnes qui boivent, ou même qui se droguent au volant. Mais à partir du moment où ta conduite est correcte, que tu restes dans tes lignes, que tu fais tes stops, que tu mets tes flashers, que tu roules bien,
Ils n'ont pas de raison de t'arrêter. Pour eux, c'est juste faire de la paperasse. C'est compliqué. C'est faire une arrestation, c'est remplir des papiers, t'emmener au poste. C'est beaucoup de job juste pour quelqu'un qui fume du weed quand sa conduite est parfaite, tu sais. Fait que c'était mes deux petites anecdotes, en même temps, un petit peu mon avis sur tu devrais pas fumer dans ton véhicule. Écoute, tu penses pas qu'il y ait de réel danger à cela. En tout cas, pour moi, attention, moi, je pense qu'il n'y a pas de danger pour moi. Je pense pas que je mets ma vie ou la vie des autres en danger. Ça fait pas à tout le monde, ne le faites pas. Clairement, peut-être que vous allez vous dire, je vais essayer, puis vous allez avoir un accident, vous allez rentrer dans quelque chose, vous allez pas être capable, vous allez mal filer, j'en ai aucune idée. Ça peut arriver. On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes, on fume pas toutes la même quantité non plus par jour. C'est toutes des choses qui jouent. Donc, ne le faites pas. Je vous encourage pas à le faire. Mais j'avais envie de vous raconter ces deux anecdotes-là en lien avec la police pour vous montrer que les facultés affaiblies, c'est quand tu as les facultés affaiblies. Pas quand tu fais quelque chose bien, tout simplement. Donc, c'était la petite vidéo que c'était cool, c'est cool. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est pas une review, mais j'étais content de vous parler, content de vous partager ça. Puis, j'espère vraiment que les revues, ça va recommencer bientôt. Je ne veux pas vous donner trop de détails, mais ça se peut que ça arrive bientôt. Mais je ne veux pas trop en parler parce que j'ai pas de date précise, puis je suis pas sûr. Mais ça arrive bientôt, je pense. C'est tout ce que je vais dire. On va voir. C'est tout ce que je vais dire. On se laisse ici. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. Allez, ciao.